Et salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour ce 20e épisode sur Spirit of the Island. Cette fois-ci, on va enfin faire ce que ça fait longtemps qu'on dit qu'on va faire. Vous pouvez le voir dans ma barre d'inventaire. Et c'est bien entendu la pêche. Ça fait tellement longtemps que je vous saoule à vous dire oui, la pêche, vous inquiétez pas, on va faire ça. Un moment ou l'autre, mais bon, vous voyez. Bref. Maintenant, c'est réglé, on va s'occuper de la pêche. On a fait un petit peu, peut-être beaucoup, de bidons d'essence. En tout cas, là, il y en a vraiment. Hein. Si vous en vouliez, il y en a. Hein. On va se faire un petit peu de café aussi, parce que j'en ai marre de partir avec des ressources et de pas pouvoir tenir longtemps. Hein. Donc ça, déjà, c'est réglé. Le café, pour l'instant, il reste où il est. On récupère nos bidons, on va les remplir, de toute façon ça va être le temps à peu près que les autres choses se construisent. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des pièces, des choses dans le genre, parce que j'ai envie de faire un deuxième frigo. Parce que qui dit pêche dit nouveaux aliments, donc des poissons, et qui dit poisson, bah dit qu'il va falloir les stocker quelque part. Quand même. Donc si on veut pouvoir les stocker, il nous faut un frigo, parce que déjà là je suis en train de galérer avec mon inventaire. Pareil pour le café, pour machin. J'ai aussi découvert où on pouvait récupérer des graines de café. Comment vous dire que c'est vraiment très débile. C'est juste à côté justement de des poissons. Vous avez les espèces de d'herbes bleues. Et ben en fait les herbes bleues vous permettent de récupérer de quoi faire des graines de café. Tout simplement. Donc je me sens un petit peu bête, exactement. Un petit peu de bouteille d'eau. C'est très bien, ça nous fait une vingtaine de café. Ça devrait suffire à nous remplir deux fois notre barre, je pense. Une dizaine ici, une dizaine là, on va quand même se remplir de flotte. Tout simplement pour ne plus avoir soif. Faudrait que j'aille dormir un petit peu aussi, histoire de récupérer peut-être un petit peu de points de vie. Parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter à faire des poissons de santé juste pour des boisses. Des potions. Potions. Juste pour ça. Par contre, ce que je suis en train de me dire qui peut devenir intéressant, ça serait commencer peut-être à se faire des plantes, des fleurs. Il faudrait trois fleurs rouges et une fibre de plante. On va peut-être aller chercher ça. Et oh, vous avez rien acheté là, messieurs? Et voyons. On essaye de se barrer sans rien payer? Venez ici, viens là que je te chope. Donc, si je pouvais récupérer des fleurs juste pour pouvoir faire ça, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas mal. Peut-être pas mal parce que ça se récolte à l'infini. Ok, il y en a déjà 3. Ah mince, je t'avais pas vu, toi. Je t'avais pas vu. Il y a quand même beaucoup de fleurs ici, ça c'est très bien, mais ça m'intéresse pas. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais jeter que j'ai sur moi. Voilà, les 15 de graisse, c'est peut-être pas nécessaire. Mais des fleurs jaunes et des fleurs rouges au moins. Je crois que c'est celles qui font partie des deux recettes. Juste pour pouvoir automatiser ça. Combien j'en ai de chaque là? Je peux faire deux trucs de jaune et un truc de rouge. J'aimerais bien en avoir un peu plus quand même. Faut vraiment que je les récolte maintenant systématiquement quand je les croise. J'ai quand même pas mal de trucs pour faire des cerises aussi aux à côté. Parce que c'est des choses qui sont à l'infini en fait. J'ai ramassé une fois, ça met quoi? Ça met 15 jours je crois à repousser. Ah, bon, c'est pas non plus ouf. Fait que si j'en ai 3-4, je peux le doubler ça. C'est-à-dire que pour le milieu de l'automne, je vais peut-être avoir le double. Bon, ouais. Pas encore convaincu au final. Mais au moins, je vais pouvoir me faire 2-3 petites potions. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Parce qu'il y a les grandes potions. Il faut des feuilles médicinales. Coûte le double de ça. Ça peut être le coup de faire des grandes potions plutôt. Et là, il y a quoi? Il y a l'élixir qui me demande des fleurs blanches aussi. Ça, j'en ai pas. Ça, j'en ai pas. Très bien. 72%. Le café, j'utiliserai vraiment quand je serai qu'à l'extérieur. Parce que là, faut vraiment que je rentabilise en fait mes points de vie. Parce que j'en ai plus du tout. 92 points de vie, on a vu, ça suffit pas à buter les 3 là. Nickel. Alors, les pièces mécaniques, il nous en faut. Il nous en fallait un peu plus que ça. J'en ai pas sur moi. On va poser la bouffe déjà. Oui, j'ai 291 de minerais de cuivre qui sont en train de se faire. Je pose quoi? Toi, c'est 4 jours. Toi c'est 8 jours, et toi c'est 2 jours, ah oui, toi tu disparais très vite. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre avec moi? J'ai des œufs aussi, c'est vrai. Les œufs là, comme ça je vais aller les faire cuire tout simplement.
Et comme ça, toutes les fleurs sont posées. Les œufs sur le plat, on en fait 5. On va dormir 2, 3 petites heures, histoire d'accélérer les autres choses. Et surtout, je veux voir ce qui me manque pour pouvoir faire les deux autres pièces mécaniques. Là, j'en ai 18. Paquet de vis. Donc, paquet de vis, j'en voudrais bien 3. Merci, paquet de vis. Ça va prendre un petit peu de temps. Petite sieste à nouveau. 3 heures. 152 points de vie. L'autre, il nous a quand même fait 472 de dégâts, en fait. Le chef des pirates, là. Le Prince of Tennis Pirate. Il est violent, hein. Ils sont violents, ces gars-là. Encore de petites heures de sieste. Non, pas besoin. Pas besoin, je vais attendre devant. On récupère le miel en même temps, mais on n'a plus de place. Ce qui est assez embêtant. Qu'est-ce que je peux poser? Je peux poser le bois de qualité. Non, on va poser le feu de bois. On va poser pas les morceaux de miel encore. J'en ai récupéré que deux, ça me suffira pas. Le frigo. Frigo, c'est très bien. Avoir un frigo qui est plein. Alors, la maison. Ah, il manque des fils électriques maintenant. Ah! Donc toujours quelque chose. Qu'est-ce que je peux poser? Je vais poser la trousse de réparation pour l'instant. Je vais poser le fer. J'en ai plus beaucoup. Mais d'ailleurs, je ne peux pas l'en récupérer parce que ça n'a pas encore repris. Et j'ai oublié de prendre le cuivre. Le cuivre. Oui, allez. Juste vraiment pour être débarrassé. Toi, je te pose. Toi, je te pose. Toi, ça pousse. Est-ce que... Oui. Ah, on les voit sur la minimap qui sont prêts. Vous voyez, c'est un peu plus clair. Ouh, vous êtes beaucoup, dis donc. Vraiment, là, vous êtes pas mal, hein. Vous êtes pas mal. J'espère que vous allez m'acheter des trucs. Les fraises, c'est tout utilisé. Ou c'est la flotte qui est tout utilisée. Il me reste 60 fraises. Il faut vraiment que je trouve d'autres choses à faire avec parce que ça coûte cher. Et alors, pom pom pom, est-ce que j'ai boîte de planches? Je pense pas. Je peux poser les planches. Je peux poser les planches. Et maintenant, il va me falloir des lingots de fer et j'ai pas encore assez de fil électrique. J'étais bête sur ce coup. Voilà. Donc toi, je pose. C'était quoi? Je voulais poser. Le Chatterton, j'ai plus de place ici. Il va falloir que je refasse des coffres aussi. Hein. Par contre, je suis en train de me dire, les trois quarts du temps, j'ai un là-bas pour construire. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de mettre les coffres là? Ou alors mettre les trois établis ici avec le truc électrique. Et on commence à réfléchir. Hein. On a un cerveau, on a compris qu'on pouvait s'en servir. Eux, ils m'achètent rien, ils me saoulent. Tous vous exterminer avec ma Master Sword. Donc les lingots de fer maintenant. Oh, je suis bête. Pourquoi je suis débile? Pourquoi Mère Nature ne m'as-tu pas donné un cerveau intelligent? Comme pour les autres humains. Ça se fait, hein, j'ai vu que tu pouvais les fabriquer, donc. Voilà. Et comme ça, tout ce qui est bouffe, le café, toi, 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 toi. Je m'en fous de ce qui peut être posé ailleurs. On fera le tri plus tard. On va faire le tri tout de suite en fait. Ok, donc tout le reste, ça se pose ici. Nickel. Et maintenant, on passe enfin à notre ami la pêche. Juste avant de passer à notre ami la pêche, niveau bouffe, qu'est-ce qu'on peut se faire avec des poissons? Alors, des crevettes. Il nous faut des crevettes. Et des épices. J'ai pas encore vu les épices. Ça se plante peut-être. Des sushis. Donc il faut thon, du tilapia et du bar. Un burger exotique, non. Poisson cuit au four, avec des épices toujours, ça j'en ai pas vu. Des épices, des poivrons et de la laitue, niveau 5. Ouais, d'accord. Poisson épicé, avec du poivron, de la laitue et des épices. Il nous faut les requins, donc les requins c'est ceux qu'on a vus sur l'autre île. Si je me trompe pas. D'ailleurs, je crois que je viens de me dire, les fleurs que je galère à chercher, je crois qu'elles s'achetaient au printemps. Alors, attends le signe et appuie sur la touche action au bon moment. Oula. C'est plus galère que je pensais. Beaucoup plus galère que je pensais.
Ok. Un tilapia. Très bien. Passons à notre poisson. J'aime pas du tout ces jeux de pêche où t'es en semi-passif. Il y a beaucoup des MMO qui font pareil. Alors que tous les trucs se font en semi-AFK où tu peux faire autre chose en même temps. La pêche, c'est souvent ça. C'est souvent de l'idle semi-passif. Et j'ai toujours eu du mal. Allez, allez, tu peux le faire. Ah purée. J'étais en train de regarder ailleurs sur l'écran. Et du tilapia aussi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a d'autres poissons. Hein. Il y a l'air d'avoir deux espèces là dans la flotte. Pourquoi j'en récupère qu'un seul? Tu peux m'expliquer? C'est parce que mon appât est pas assez gros? Pas la taille qui compte, monsieur. C'est la façon dont on utilise la canne à pêche. Encore du tilapia. On va quand même regarder derrière les... Ici, qu'est-ce que ça nous donne? Petit aquarium, appât ordinaire, appât gros poisson, piège à crustacés, ferme à lombric, nettoyeur d'eau. Ça, c'est pas encore disponible. Canne à pêche de qualité, appât supérieur, appât poisson exotique. C'est pas encore dans le jeu, ça, je crois. Bah, continue à pêcher, oui. À mon avis, j'aurais que du tilapia ici. Ah, j'aurais pu l'avoir. Ah, ouh, un poisson bêta. Ça se vend un poisson bêta? Ouh, 25 dollars, 20 dollars. Ne me mangez pas. Donc lui, il se met juste dans un aquarium, j'imagine. Je peux le garder au frigo pendant 5 jours avant de le mettre dans l'aquarium, c'est ça qui est bien. Fruits au four, ce poisson sera toujours un repas parfait. D'accord. Donc oui, ce que je vous disais, c'est pour le café, ça se trouve là. Voilà. Toi, j'aimerais bien faire quelque chose de toi, le crapaud, là. Ah, j'ai l'impression que mon banc de poisson s'est diminué. C'est rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo, pauvre poisson. Je suis en train d'exterminer toute une espèce. Non, j'étais là pour te vendre quelque chose. Aucune patience, ces gens. Aucune patience. Le respect des touristes, il a disparu. Mes poules et mes vaches, je crois qu'elles sont en train de mourir de faim. Soit dit en passant comme ça, les poissons, je les pose tilapia. Qu'est-ce que je peux faire avec du tilapia? Je peux rien faire, j'ai pas ce qu'il faut d'autre. Si je vois des trucs aux poissons, quelque chose, non. À mon avis, le premier qu'on peut faire, c'est lui, il nous faut des épices. Il nous faut des épices, et par contre, les épices, où c'est que ça pourrait être? Pas là-dedans, apparemment. Si c'est pas là-dedans, est-ce que c'est pas genre quelque part là-dedans? On a quoi? On a les herbes, les buissons de cerises... ça s'achète peut-être, les épices? Ah non, apparemment ça s'obtient des cochons. Les petits cochons. C'est vrai qu'on n'a pas de cochons. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous faire une... Ça c'est des porcelets. Étable. Porcherie. 42 planches de bois de qualité. Très bien. 10 de cordes et 20 de clous. Des clous, j'en ai pas assez. Planches de qualité, j'en ai 20. Donc il va m'en manquer encore un petit peu. Ça va être du bois franc que je dois utiliser pour ça. Et de la résine. Alors, la résine, je le prends aussi. Alors, pom pom pom. 25, très bien. 33, très bien. Maintenant, pour faire un coffre. Un coffre en fer, il va me falloir 5 plats en bois et 4 paquets de vis. Paquets de vis, il n'y a plus de vis. J'ai plus de vis nulle part. J'ai plus de vis nulle part. Ça commence à devenir compliqué au niveau du fer. Peut-être... Ouh. En tout cas, mon cuivre est fini. Non, pas ici. Ici. Plus 582 points d'expérience, quand même. Ça vaut le coup. Toi, je te garde pour l'instant. Ça me changera pas grand-chose. Les clous, ils sont en train de se fabriquer. Petite sieste. Petite sieste récupératrice. 2 points de vie. On se réveille. Un petit peu de clou. Au bon matin. Est-ce que je vois des choses qui sont prêtes à être récoltées? Non, de toute façon, il est 17h50. C'était quoi que je voulais fabriquer à la base? C'était une porcherie. Il va manquer la corde. Qui doit être en haut. Qui est en haut, exactement. Donc la porcherie, je vais la mettre à côté de toi.
Les cochons. Alors, vous pouvez acheter des porcelets qui viendront des cochons dans le menu animé. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour pouvoir y créer un champ de boue. Bah, c'est ça le champ de boue, j'imagine. Sans bois grain. Donc il faut que je fasse plus de grains, par contre. Et les grains. Le foin et les grains. Du blé, des pommes. Du blé. Je dois avoir... Ah non, purée, j'ai utilisé tout le blé. Oh, le débile. J'ai des pommes et j'ai utilisé tout le blé. Donc j'ai plus de foin, enfin j'ai plus de grains. Et le foin, qu'est-ce qu'il me faut? Le foin, je peux en faire. Il me faut des cordes et des fibres de plantes. Donc le foin, ça par contre, on va s'en faire. Pauvre bête. Yep. On va en faire un petit peu plus. Très bien. Vous êtes à combien? 66. On reste, il est à 50. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire de l'engrais? Engrais ordinaire, engrais de qualité. Je peux faire l'engrais ordinaire. Il me faut 2 déchets organiques. Je peux en faire 4. Ah, c'est short. C'est short, les pauvres poules, elles sont en train de mourir de faim carrément et de soif. Enfin, même les vaches, tu me diras. Je peux pas courir en tenant cet objet. Ah bon? C'est dommage. C'est dommage. Je vais pas récupérer la thune tant que j'ai pas les 20 000 pour acheter le nouveau bateau. Ah, elles survivent. C'est des warriors, nos vaches. Je les nourris une fois tous les 15 jours. Pas de soucis, t'inquiète pas Nemco, on est encore là. Par contre, si vraiment ça dépasse 3 mois pendant lesquels tu nous nourris pas, je te promets on part en grève, hein, on va pas déconner non plus. C'est un seul seau pour 100% de bouffe, ok. Donc ça maintenant, on est bon. Ah j'avais encore plein de farine, qui sert à rien ici. Ok, merci d'être là, si tu sers à rien. La farine, je te mets là, 208. ...83... Et sur le dernier quand même... Ah, ça booste à 83 en fait, peu importe l'état où ça en est. Ah, ça c'est moche. Ah, c'est très moche. Je viens de me faire avoir. J'ai plus de flotte. J'ai plus de flotte, j'ai plus de bouffe. Les smoothies, on les prend. Parce que les 700$... rapporte pas grand chose hein, pour l'instant. Et là j'en ai combien? Pour 3800, 740 et 1680 de cuir. On va attendre un petit peu, on va aller récupérer les œufs et le cuir qui est au-dessus. Hop, merci les œufs. Merci le cuir. Y'a pas de la bouffe que je pourrais récupérer? Pas encore. On vend le cuir. On tenait ouvert. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder ouvert toute la journée. J'ai vu sur le Discord qu'il y en avait certains qui l'ouvraient que aux heures normales. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est de la flotte que je vais reprendre. Je vois pas l'intérêt parce que au pire ils sont là quand t'es là, au pire ils le sont pas. Je sais pas vraiment si pour l'instant il y a une gestion de la satisfaction réellement poussée en tout cas. Donc l'intérêt pour moi de pas le garder, enfin de le garder fermé, vraiment aucun. Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Ce qui est fort possible. Je sais pas non plus poncer le jeu. Que je réfléchisse. Là, si je dors 2 heures. Ah, en plus, il pleut. Bon, ça me sert à rien. Je crois qu'il y a encore beaucoup de... Il reste 27% d'énergie là-dedans. On récupère le miel. On se faire pas mal de ruches. Le foin. Le foin, je vais te mettre en 7. Comme ça, je peux nourrir les vavaches. Elles sont les vavaches. Je suis désolé, je peux vous donner que du grain, sauf que j'ai pas de blé, donc. Très bien. Toi, c'est quoi? C'est que du grain. Ah oui, je t'ai pas mis à boire. Oui, donc ça fait bien des épices, les cochons. Donc ça fait ni du saucisson. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie d'autre? Oui, que ça faisait du lard, du jambon, peut-être. Bah, ni l'un ni l'autre. Hein. Soyez rassurés. Pourquoi je peux pas courir? Ah, parce que j'ai faim. Ça fait des épices. Donc les épices qui nous permettent de mélanger avec les poissons. Bonne idée. Bonne idée. On va augmenter peut-être notre nombre d'animaux. Parce que là c'est un petit peu la dèche je trouve. Toi je pose. On va poser la canne à pêche pour l'instant aussi. Les poissons faut que je les mette au frigo. J'ai pas pensé à ça.
Est-ce que j'arrive à lancer une fabrication avant qu'il soit trop claqué? Yes. J'ai pas de poids à brûler. Je vais prendre un truc de fruits. Alors, je pose. On pose. On pose, on va pas s'embêter. Les fruits sont reposés. La bouffe, sûrement, elle est reposée. Tout est reposé. Qu'est-ce que je voulais faire? Dormir 2 heures. Allez, 3 heures, ça sera très bien aussi. Je peux récolter 1 heure du matin. Ce n'est pas un souci. Il classe mon perso quand même. Le blé. Donc en fait j'aurais pu le poser sur l'autre, ça aurait pas changé grand chose. On a du blé, il me faut des pommes. Est-ce que j'ai encore des pommes là-dedans? Et il y a encore des pommes, hein. Au final ça pourrait. Oh, c'est quoi les fleurs là? Fleurs blanches, parfait. En fait c'est vraiment le premier qui pourrit et derrière les restes ils continuent. De ce que je comprends. Donc c'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin de. Ouais, ça va mettre hyper longtemps en fait à pourrir. Donc le mieux c'est vraiment d'attendre par contre le changement de saison quoi. Le grain. Hop. 16 de grain. Pourquoi je peux pas faire plus? Le foin j'imagine. Enfin le blé. Le blé. Pas assez de blé. Pas assez de blé mais en même temps j'aurais pas assez de pommes après. Donc, pas grave. C'est pas grave, on laisse comme ça. On a beaucoup de poivrons, beaucoup d'ail. Un petit peu pas mal de fraises quand même, mais ce qui est embêtant comme d'hab, c'est l'eau. Donc je pourrais me faire la blinde de smoothie. Après, je peux en garder aussi pour le reste de l'année, hein. On est d'accord. On en est où d'ailleurs? Ouh, on est le 25, dernière semaine d'été. Dernière semaine d'été avant que tout pourrisse. Vraiment tout. Alors, y a encore des fraises, tiens. Si jamais on est en manque, on a. 48 de fraises, combien ça va me coûter? Ok, bon. Ouais. Faudrait que je trouve un moyen d'automatiser peut-être tous ces fruits. Hein. On va voir avec quoi les fraises elles peuvent être utilisées d'autres. Parce que les smoothies, c'est pas vraiment bénef, je trouve, en thune. Enfin, c'est long pour pas grand-chose. Puis il faut que les gens ils achètent tous les smoothies, ou alors je peux les vendre à moitié. Je peux les vendre à moitié chez Roger Rabbit, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup pour moi. Qu'est-ce que je peux faire avec d'autres fruits? Salade aux fruits. Il me faut des fraises, du raisin, des pommes et des cerises. Ouais, pommes et cerises, c'est un peu plus chaud. Raisin, j'en ai pas trouvé encore. Des fruits, des fruits, des fruits. Tarte à la patate, tarte à la banane, tarte aux fraises. Ah, bah voilà, tarte aux fraises. Du sucre, de la farine, jardelée, huile. J'ai tout ce qu'il faut. Bah voilà. 10 de fraises, jardelée, farine, bois brûlé, sucre et huile. On va quand même les nourrir un petit peu les bestioles. Ok, très bien. Très bien. Ils sont tous nourris. On pose. J'ai de quoi tenir 2 bonnes semaines, je pense. On va acheter les cochons. Plus de poulet et plus de veau. Peut-être plus assez de thunes pour prendre plus de veau. Ouais, c'est ça, j'avais plus assez de thunes. Ok, donc le sucre. On prend le sucre avec nous. On prend le sucre avec nous. C'est du sucre. C'est du sucre. On prend du bois brûlé avec nous. On prend la farine. Elle doit être ici. La farine avec nous. On va prendre le lait. Ils sont mes carrés de miel. Je les pose les carrés de miel dans l'autre, je crois. Dans l'autre. Le lait, il est où? Il est où le lait? Le lait, il est là. Et normalement, j'ai de quoi me faire des petites tartes à la fraise. Non. Il manque de l'huile. Eh bah oui, très important l'huile. Pour une fois que j'en ai pas. Pour une fois que je porte pas surtout. Une bouteille, ça m'a suffi. Ah, ça c'est embêtant. De la graisse, de graisse, on va en prendre un peu plus. 15. 20 de graisse. Et on va faire déjà une tarte. À mon avis, c'est overfit dans tous les cas. Mais si je peux essayer un petit peu avant, ça, je serais content quand même. Hein. J'ai pas de l'huile dans le frigo. Ça, c'est pas d'huile. Et là, pas d'huile non plus. Bon, je vais prendre toutes les fraises. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? La tarte aux fraises, le gâteau au blé. J'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'eux. Les gaufres, je peux pas. J'ai pas le niveau. Ça, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, j'ai pas le niveau. Pas le niveau. Pas le niveau. Pas les ingrédients. Pas les ingrédients.
Ouh, pas le niveau. Pas le niveau, mais ça peut valoir grave le coup. Tarte aux fraises. Je peux en faire qu'une. Parce qu'il me faut de l'huile. Maintenant, j'ai de quoi faire plus d'huile. Si j'ai de quoi faire plus d'huile, je pourrais faire plus de tarte aux fraises. Une tarte aux fraises. 410$, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Plus besoin de chercher. Plus besoin. Plus besoin, on va faire que des tartes aux fraises. Tarte aux fraises, que ça me coûte. Huile, fraises, jardelée, farine et sucre. Donc il faut que je trouve du sucre en masse sur les îles, c'est bon. Du lait avec mes vaches, ça peut être bon. Le bois brûlé, ça peut être bon. La farine, j'en ai large en rab. On en a large en rab. Pour ce que ça nous coûte en plus. Donc la seule chose, c'est vraiment le lait au final. Très bien. Hop. 4 d'huile. On va les traire les vaches. On va les traire les vaches. Regardez, elles sont les vaches. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place. C'est pas grave. Oh, le petit veau. C'est vrai que c'est un petit veau pour l'instant. Je pose ça, j'ai plus besoin. On va poser tout le reste. Là, tout de suite, j'en ai plus vraiment besoin. La graisse, je garde. Le café, je pose au-dessus. La pile, pas besoin. Ça, plus de place. Plus de place, c'est pas grave. Alors, les vaches. Les vaches, c'est l'heure de la traite, s'il vous plaît. Venez ici, les vaches. On vient ici. On se prépare. Vavache 1, vavache 2, s'il vous plaît. Merci bien, mesdemoiselles. Mais pourquoi elle se coince l'autre là? Non mais où? C'est quoi cette histoire? Voilà. Parfait pour le lait. Mofped est heureuse. Eh ben Mofped, sache que je suis très heureux. Ouh, il y en a qui veut acheter quelque chose. J'arrive monsieur, j'arrive. Je vous vends. 80$, très bien, vous pouvez repartir la prochaine fois. Hein. Tarte aux fraises. On a de l'huile, très bien. Et maintenant qu'on a de l'huile, on a de ça aussi. Tarte aux fraises, qu'est-ce qui manque? Du bois brûlé. Mince, j'ai posé tout mon bois. Ça y est les gars, ça y est. La thune, ça commence à rentrer. Ah, je pensais pas. Donc il faut que je me concentre sur le lait, la farine, les fraises et les œufs. Ah non, pas deux. Même pas besoin d'eux. Je peux en faire que 4. Ok. Du lait, je peux faire du lait. Je peux faire du lait, je peux faire 4 de lait. Et ça me coûte un petit peu de bouteille. C'est pas grave, petite sieste de 2 heures, 3 heures, comme ça tout pousse. Réveil, on récupère le lait, on prend l'huile, on fait de l'huile, on prend la tarte aux fraises. Combien j'ai de tarte aux fraises? J'en ai 7. Combien ça me donne de thunes? C'est 3000 balles. 3000 balles. Et j'ai encore assez... Ah, j'ai pu avoir de sucre, il va manquer du sucre. Eh ben, on va s'occuper de récupérer du sucre dans le prochain épisode. Attendez. Ouais, le sucre. Je pense que le sucre, c'est une bonne idée. On va poser tout ça. Mais magnifique, hein. Vous voyez, je pensais pas. Je pensais pas vraiment que ça allait nous rapporter autant. Et on est un petit peu loin du niveau 4 encore. Parce que quand il y aura le niveau 4, on pourra faire les gâteaux et les crêpes. Et là, par contre, entre les... Ah ouais, là, il va y avoir plein de choses. Ça, je pourrais en faire. J'aurais pas besoin de sucre. Donc je pourrais alterner entre ça, non ça faut pas déconner non plus, je pourrais faire les gaufres, entre les gaufres, oh, les gaufres c'est des crêpes plus du sucre quoi. Bois, farine, miel, lait, œuf, huile, bois, farine, miel, lait, œuf, huile, plus sucre. Ah ouais d'accord, là il y a le gâteau aux fraises carrément. Ça c'est la tarte plus des œufs. Eh ben, c'est qu'on a plein de choses à préparer. Plein de choses. Il va falloir qu'on trouve du sucre. Du sucre en masse, il va nous en falloir parce qu'il nous en faut pour les gâteaux, je crois. Gâteau. J'ai pas les gâteaux ici. Gâteau, fraise. Il nous faut quand même du sucre, mais c'est autant de sucre que ce qu'on utilise maintenant. Donc c'est bien aussi. J'ai cru qu'il y avait une tarte dans la main. Eh bien écoutez les amis, pour l'instant, on s'en sort bien. On a même réussi à se faire un petit peu de thune. Pas non plus la fin du monde en thune, hein. Par contre, ça consomme beaucoup plus depuis qu'ils sont beaucoup plus nombreux là-dedans aussi. Donc, il va falloir... Oh, 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 oh! Mais
Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça, j'ai des arbres fruitiers qui me donnent des fruits en plus. Mais quelle est cette chose? Faut que je regarde, ça fait combien de jours que je les ai plantés. Mais à mon avis, ça a récolté, donc ça va mettre 15 jours à pop. Et on a même des mangues. Vous vous rendez compte, des citrons, des mangues? 7 citrons par truc, hein. Pareil pour les mangues, à peu près. J'ai pas la place de passer entre les deux. Parce que j'étais aussi débile. Non, ça va, ici, je peux. Citron, 7 de citron. 8 de jobobotica. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Eh ben, plus qu'à planter les pommes. On a des mangues, des citrons, des jobobotica. Franchement, aujourd'hui, c'est le jour de gloire. Hein. On a appris à faire des tartes, des gâteaux, des machins, des trucs. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Avec des figues et des avocats, je pourrais faire du jus sucré, mais ça m'intéresse pas. Les jus, pour l'instant, je sais pas. Je suis pas... Ah, avec un peu de sucre, je peux faire des smoothies aux fruits d'été. Parce que là, tout ce que j'ai sur moi, ça se vend combien? 540, 300, 600. Ok, on va aller récupérer un petit peu de sucre. Si je trouve quelque chose à manger sur le chemin, ça serait bien. Toi, c'est la soif que tu rends. La soif, ça m'intéresse pas. Toi, c'est pas la faim. Voilà. Hop. Ah, si je pouvais faire du sucre avec le miel. Franchement, ça paraît très logique. Je suis sûr, il y a un truc pour. Franchement, je suis sûr. Je suis sûr, je vais finir. Je vais voir. Ah, mais je pouvais avec ça. Par contre, je prends tous les fruits que j'ai juste pour voir. J'ai pas de cerise, c'est pas grave. Si j'ai pas quelque chose que je peux faire avec ça. Apparemment, non. Gâteau, ben non. Tarte aux légumes, tarte aux fraises, tarte à la banane, tarte exotique, c'est avec des myrtilles, ça sert à rien. Tarte aux pommes. Je pourrais faire des tartes aux pommes, mais il me faudrait plus de sucre. Donc, je vois pas l'intérêt. Fruits en tranche, non. Salade de fruits, non. Bon, en fait, non. Rien de particulier. C'est surtout des jus de fruits que je peux faire avec les arbres. Donc, ça m'intéresse plutôt bien. Toi, t'es prêt à acheter. De l'huile. Il me faut de l'huile. Oh, les petits poussins. On a vu les petits poussins, les petits cochons. Toi, je te mets en lit. Le jus de fruits, je pose. On va juste aller utiliser ça là-dedans. Hop. Essayer de se faire notre fameux jus. Donc ça me coûte 2. Ok. Ah, ça m'a coûté 5 bouteilles d'eau. D'accord, donc 2 de ça, ça me fait 30. Plus 2 de ça, ça me fait 24, 54. Plus 20. Ok. Et plus 60. Ok, c'est un trait par contre de rapporter de la thune. Hein. Parce que là, si ça rapporte pas de la thune, je pète un plomb. Avoir attendu 5 jours que mes arbres, ils poussent. Pour qu'au final je perde de la thune, vous allez m'entendre parler. Je serais pas le plus sympa, hein. C'est bon. Donc c'est de la mangue. Je vais passer de mangue. Faire une petite sieste, comme ça on récupère de la vie. Yep, 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 non. De dos. Voilà, pas faire à manger, je veux dormir cette fois. T'es gentil. Je passe mon temps à faire à manger dans le jeu. 240 points. Ça vaut le coup, froid. Alors, les 5 jus. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais pour le délai, le temps, ça vaut moins le coup que les jus de fruits à la fraise. Alors, on ferme. On met les jus de fruits. Parce que là, je regarde, c'est 100$, c'est 201, ça prend deux fois plus de temps, certes, mais... Non, je trouve que c'est pas... Bon, après, si c'est des ressources en plus, autant les utiliser, mais il faut faire des bouteilles d'eau, des choses dans le genre. Je préfère quand même le lait. Et les gâteaux. Et les gâteaux, parce que les gâteaux, ils se vendent quand même plus cher. 410$. Vous vous rendez compte? 410$ pièce. Ça fait 3000$. Si je vends ça en plus, et que je vends d'autres choses en plus, il y a moyen que j'atteigne le bateau. Sur ce, pour le prochain épisode, on va essayer de retourner sur l'autre île pour récupérer de quoi se faire une meilleure armure. Où je ferai peut-être en off, juste récupérer vraiment des armures, histoire d'être un petit peu mieux stuff. Et on essaiera de se rattaquer aux pirates. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et ciao ciao tout le monde.